Salut à tous, ici Alex de Budget News. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une instru à base de samples. Donc, dans la vidéo d'hier, je vous ai montré comment trouver des bons samples pour faire des instrus à base de samples. Et donc, aujourd'hui, je vais réaliser une instru avec les samples que j'ai trouvés hier sur les différents sites que je vous ai montrés. Donc, avant tout, l'instru que je vais faire, je vais utiliser les percussions du Budget News Drum Kit. Donc, il est disponible gratuitement dans la description. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Donc, on va commencer tout de suite. Donc hier j'avais déjà sélectionné quelques pistes de samples, je vais vous faire écouter ça. Donc ça c'est déjà une boucle pas mal. Puis après on a celui-ci je pense. Ça, c'est un peu trop court, un peu trop répétitif. Ouais, je suis pas convaincu par celle-là. Celle-ci, en fait, j'ai déjà samplé, je vous montrerai après le résultat final. Donc à mon avis, celle que je vais utiliser, c'est la première. Donc je vais supprimer tout ça. Si jamais vous vous demandez, c'est Anita Barker, l'album Rapture. Donc comme ça, vous voyez. Peut-être il y avait un livre avec 1 000 et 1 albums à écouter. J'ai écouté au hasard et puis je suis tombé là-dessus, c'est pas mal quoi. Donc cherchez sur internet si vous voulez le sampler aussi. Il y a quelques trucs sympas, mais c'est pas le meilleur album pour sampler non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire une boucle avec ça. On va la synchroniser au tempo et puis on va mettre des percussions et quelques effets pour faire varier un peu tout ça. Donc on double-clique. Et on ouvre Edison, qui est le sampler de FL Studio. Donc on sélectionne ici. On va écouter pour faire une boucle. Donc, je pense que ça commence ici. C'est trop tôt. Il faut compter pour que ça fasse 4 mesures. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1. Donc là, on a une boucle et on va refaire la même. Bizarre, ça, je pense qu'il va y avoir un. Parce qu'il commence les percussions avant la fin de la mesure, en fait. En soi, la boucle est deux fois la même, donc on peut couper ici. Alors voilà, on va faire ça comme ça. Enfin, quoique, en fait, la boucle varie légèrement au niveau des accords, donc je vais quand même essayer de la couper ici. Enfin, on va voir ce que ça donne. C'est bizarre, bizarre. Faut essayer plusieurs fois jusqu'à ce que ça sonne bien, quoi. Le problème, je pense qu'on va pas pouvoir le prendre, enfin, parce que sinon ça va être compliqué avec les drums, vu qu'on va changer le tempo, ça va peut-être plus être synchronisé avec nos percussions. Enfin, il suffit de tester, c'est vraiment de l'essai. Bon, je vais couper ici, ce sera plus simple pour la vidéo. Thank you.
faire en mode simple. Bon, il est assez court, normalement, essayer de prendre des samples un peu plus longs, mais ça peut déjà le faire. Donc pour le synchroniser à notre tempo et le synchroniser à notre percussion, on vient avec le bouton time ici. Et voilà, vous pouvez faire clic droit et mettre 2 bars, ou 4 bars plutôt. Alors il faut mettre en tonal, enfin E3 générique, comme ça ça change pas la tonalité, parce que là regardez, je l'ai étendu, ça va être plus grave. D'ailleurs c'est pas mal du tout, mais je vais quand même mettre en tonal, enfin E3 générique, tonal c'était sur FL Studio 11. Après je vais jouer avec le pitch ici pour avoir la tonalité que je veux. Vous voyez en haut à gauche de combien de pitch vous le baissez, donc un cent, moins 100 cents, c'est moins un ton. Voilà, on a notre boucle, on va créer des percussions maintenant, un truc assez simple. Alors... Celui-ci là m'a l'air bien, niveau sub. On va prendre un kick. Celui-là, mais il faut un peu l'augmenter vers le pitch parce que là il est un peu trop grave, je trouve. Voilà. Donc on va mettre le pattern ici. On peut faire aussi, ça augmente un peu le swing, donc ça crée un peu de groove dans les percussions. Pas trop quoi. Donc là on est déjà pas mal, on va créer un petit pattern de hâte assez léger. Un peu de groove en augmentant le shift, donc ça va délayer un peu le une milliseconde ou deux le moment où le son va jouer par rapport à ce qui est prévu. Ce qu'on peut faire, c'est modifier la vélocité des hats histoire que ça rentre plus humanisé. Donc je vais pas faire de roll parce que c'est pas vraiment le genre, on fait plus des rolls en trap ou quoi, mais là je vais faire juste modifier la vélocité. Là j'ai envie que ça fasse du tch. On va faire monter. Contrôle V.
Voilà, donc on a déjà les kicks, on va faire les 808 maintenant. Donc on va accorder tout ça, clic droit, edit, on détecte la note, pitch région ici. Donc c'est en D2, c'est-à-dire que le sample est à la note D2. Donc il faut faire clic droit sur D2 et cut itself pour pas que le sample se joue deux fois. Aussi, tant qu'on y est, on va mettre l'enveloppe. Donc, on met le hold à fond et les autres paramètres au minimum, c'est-à-dire que l'attaque est à 0, ça veut dire que le sample va jouer dès qu'on appuie sur la touche. Hold à fond, ça veut dire que le sample va se jouer tant qu'on reste appuyé sur la touche. Et le reste, si on les augmente, ça veut dire que même quand on n'est pas appuyé sur la touche, la note va continuer à se jouer. Enfin, ça dépend pour le decay. Enfin, vous voyez bien en fait la forme progressive de l'audio. C'est l'enveloppe du volume. Et donc on va aller. Non, je vais mettre un peu de distorsion sur la basse, comme ça on entendra un peu mieux. Donc je le mets dans le mixeur. En tant qu'on y est, je vais mettre toutes les drums. Et le sample. Donc pour faire ça, je vais cliquer ça, je fais Maj, je sélectionne ce qui me convient, je vais dans le mixeur, Channel Routing, Starting Strike, voilà. Donc ce qu'on peut faire déjà au sample, c'est couper les basses, vu qu'il faut laisser de la place pour les 808. Pour ça, on met un equalizer, avec la courbe comme ça, qui va couper le plus de fréquences. À la base, je vais rajouter un peu de distorsion. Donc assez légère, c'est juste pour qu'on entende bien. Donc, je mets pas à 100% quand je mets genre. Ouais. Maintenant, il faut trouver les notes de basse qui correspondent avec. Qui soient dans la même gamme que le morceau. Vu qu'on l'a pitché, ça rend la chose un peu plus difficile, mais c'est quand même faisable. Donc, vous jouez des notes et vous essayez de voir à l'oreille si ça colle bien. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autre méthode rationnelle de voir si ça colle. Ça, c'est la musique, on peut pas vraiment savoir si ça colle bien. J'ai trouvé, je vais faire ça. On n'est pas obligé de synchroniser le kick avec les 808, donc il suffit de faire une mélodie un peu au 808, comme bon vous semble. Vous pouvez aussi mettre à chaque fois que le kick frappe. Là, je trouve que c'est pas l'humeur. Là, je joue un octave au-dessus, comme ça on entend bien, parce que c'est un sub, donc si vous n'avez pas des bons moniteurs avec des subs, vous entendrez pas, donc. Alt-L comme si toutes les notes se rejoignent.
ça je peux le laisser comme ça aussi. Hein. Ça me paraît bien, parce qu'après si on descend trop bas, ça sera en dessous de 35 Hz, on n'entendra plus la basse. Quoi. Voilà, donc on a nos drums. Maintenant, ce qu'on peut penser à faire, c'est faire des variations et mettre des effets sur notre sample, histoire que ce ne soit pas tout le temps la même chose. Bon, on va faire copier-coller. Bon, ce qu'on peut mettre comme effet sur le sample. Bah déjà on peut mettre du reverb, mais ça tout le temps quoi. Donc on peut vraiment donner toute la place aux mélodies, au sample, donc on peut vraiment se permettre de mettre en stéréo par exemple, on peut augmenter la stéréo du reverb. Et ici la taille simulée par le reverb. On va couper un peu les basses fréquences, comme ça clash pas avec la 808. Donc, vous voyez les valeurs ici. Là, on coupe jusqu'à 230. Après, ce que vous pouvez mettre aussi sur les samples, c'est un stéréo enhancer. Donc, qui va augmenter la stéréo. Ça, c'est subtil. Et donc, voilà, maintenant il va falloir s'agir de faire des transitions. Donc, par exemple, je vais prendre les drums et les séparer, comme ça vous allez comprendre un peu où je vais en venir. Et ici, on dit que c'est normal. Et on va commencer à alléger un peu. Pas que ça soit tout le temps la même chose. Par exemple, on peut faire un passage ici sans assez calme. Et puis on fait que ça repart. Quoi. Ce qu'on peut faire, voilà. Donc soit on le fait sur le sample ou sur le master. Ici, je vais le faire sur le master parce que ça passe bien aussi sur les snares. C'est mettre un low pass filter. Donc c'est comme un cut-off. Vous allez comprendre. Comme ça, vous pouvez faire varier l'énergie. Et on pourrait aussi augmenter un peu le reverb de la track à ce moment-là. Comme ça fait vraiment un truc ambiant et puis ça revient. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Soit on peut faire une automation de du slide de fréquence, ou soit on peut mettre le filtre à la fréquence la plus basse et faire une automation ici. Je vais faire comme ça, je vais mettre la fréquence, donc clic droit, okay, automation clip. Donc ça c'est la valeur max où je trouve que ça allait bien. Et alors on va faire, voilà, passe de value, comme ça va être la même valeur. Donc ici on n'en veut pas, c'est juste à partir de ce moment là. Par exemple on peut le mettre au milieu, et ensuite on fait que ça remonte. Bon c'est peut-être un peu, on peut même aller encore plus bas je crois. On peut
on peut faire ça aussi dans l'intro, hein, donc vous voyez. Ah, plutôt, on va commencer par ici. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez laisser les drums par exemple et mettre juste le cutoff sur le sample et continuer la percussion et faire remonter le sample petit à petit. Un peu comme J.D.L.A. fait dans ses instrus. Enfin, genre, ça meurt et puis ça revient comme ça. Mais alors, il y a tout le temps les percussions. C'est juste une autre manière d'envisager les choses. Donc, je sais pas pourquoi, mais ce genre d'ambiance, ça pourrait aller, je trouve, à Kendrick Lamar. Peut-être en un peu plus rapide. Dans un truc plus lent, plus posé. Et alors on peut aussi rajouter du reverb. Ça je vais le faire après. Donc, par exemple ici, il y a une espèce de bridge ou refrain au choix. Je vais refaire pareil. Une montée, une descente du cutoff. Et je vais rajouter en plus sur le sample par exemple. Un reverb cathédrale, donc il fait vraiment ambiant, super grand, un peu diminuer le decay. On va créer une automation clip, donc on le met à zéro tout le temps. Enfin, on peut le mettre un peu au début, ça fait pas de mal. Hein. Après ça repart, donc ouais, vous voyez un peu les principes. Ce qu'on peut tester aussi sur des samples, c'est des effets bizarres avec le gross beat ou quoi. Ou même des effets de reverse, j'ai même pas testé sur ce sample, on va tester. Faut vraiment tester, des fois on tombe sur des trucs pas mal. Ouais, ça sonne plus à la Drake maintenant. Donc c'est pas mal aussi, c'est juste une autre perception des choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tester avec le gross beat, comme d'hab. Donc sur le sample, ici, on va tenter. Pour faire un truc plus ambiant, momentary, vitesse divisée par deux. Ça c'est vraiment posé de... Posé à fond, quoi. Plus un bruit ambiant, quoi. Donc ça rend pas super bien ici. Un truc qu'on peut aussi faire, c'est faire un pattern de reverb, comme ça donne une impression
comment dire, spécifique sur le sample en fait, vous allez comprendre. Voilà, par exemple, on crée comme une montée de reverb à chaque pattern. Donc voilà, ça a un effet qui est aussi utilisé pas mal dans des instruments de Drake ou quoi. Donc enfin, en soi, quand vous avez un sample, vous essayez un peu de le modifier, des fois on a des bonnes surprises et tout ça. Donc voilà, vous avez une prod à base de sample. Après ça c'est pour une boucle, il y a aussi moins de sampler en faisant des morceaux. Là, je vais vous montrer ça maintenant, en fait j'ai déjà un projet. En fait ce qu'on prend c'est une boucle. Et alors on coupe des petits morceaux, on les réarrange à notre manière. Donc voilà, c'est ce que j'avais vous ai fait écouter tantôt, et quand je vous avais dit que je l'avais déjà samplé. Oui, ici c'est tous les petits bouts de sample que j'ai découpés, que j'ai mis ensemble. Sur le master, c'est juste pour faire une transition un peu comme le cutoff. Le preset c'est low pass, triangle low pass. Donc en fait j'avais une boucle, comme je vous ai fait écouter tantôt, puis je l'ai sélectionné, je l'ai fait glisser dans slice 6. Et en fait ça va découper, vous voyez ici, les différents morceaux que je peux jouer sur mon clavier. C'est un peu comme les instruments anciennes MPC quoi. Après vous pouvez jouer avec, moi j'ai décidé de laisser des assez longs morceaux juste pour pouvoir les synchroniser avec le beat parce que la boucle n'était pas parfaite dans le morceau. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour cette vidéo sur les samples. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres sur les samples quoi, ou quoi. Des trucs dans ce genre-là à poser. Donc likez la vidéo si elle vous a aidé, partagez-la pour aider d'autres beatmakers. Donc voilà, le pack est dans la description pour ceux qui n'ont pas encore pris à aller le télécharger, c'est gratuit. Donc voilà, à bientôt, à demain pour la prochaine vidéo.